les autorités bien placées là amènent une équipe ici pour véritablement constater ce qui se passe réellement. Parce qu'on a été trop grigé dans cette histoire. Voilà. Donc nous voulons que les gens viennent réviser, ça dit qu'une véritable enquête soit faite pour situer vraiment ce qu'il a mis sur le terrain ici. Parce qu'en justice, c'est 8 personnes qu'ils ont assignées. Quand on a dit partout que c'est toute la population qui se trouve sur les sites, les gens n'ont pas pris ça en compte. Aujourd'hui, pour dégrappir 8 personnes, on ne peut pas envoyer des chars avec des 200 éléments de police. C'est parce que c'est toute la population qui se trouve sur les sites. Et ce qui est aberrant, le préfet a reconnu avoir signé le syndicat foncier sans plan. Ce qui donne aux agmanés aujourd'hui toute la terre du village. Toutes les terres qui sont là, c'est la communauté de la Guinée, que la population ne peut pas accepter.